Provisoire, cette défaite 2-1 au Cercle de Bruges, j'ai envie de dire que c'était difficile de sortir une équipe victorieuse étant donné l'équilibre global de la rencontre et parfois des moments où Tubize prenait le dessus. Oui, on a chacun eu nos temps forts. On a bien senti que cette équipe de Bruges pouvait marquer à tout moment. Et comme nous, on a eu des situations aussi intéressantes, on aurait pu marquer à tout moment. Voilà, ça a voulu tourner pour eux. Mais ça a tourné pour eux, mais on est avant tout responsable. Parce que l'expulsion sur des gestes inadmissibles. Voilà, donc ça c'est inexcusable, impardonnable. Voilà, c'est une défaite qui va nous faire beaucoup de mal, dans beaucoup de domaines. Il y avait une nervosité palpable dans le chef de vos joueurs en fin de match. C'est un peu l'exclusion de Keita qui a provoqué ça. La frustration aussi de ne pas pouvoir faire la différence ? Oui, il y a un peu de tout, mais si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos nerfs dans une situation de jeu comme ça, où il a gagné un coup franc, donc qui va chercher la merde pour rien, donc... Non, ils ont su prendre leurs responsabilités et leurs décisions à travers de la connerie et de la bêtise. Moi, je peux vous assurer que je vais prendre mes responsabilités ici à travers des vraies décisions. Voilà. Il va falloir réagir forcément, parce que là, la machine est un peu enrayée. On parlait de la bonne dynamique en avant-match. Il faut se reprendre maintenant face à Louvain. C'était un match important sur l'aspect comptable, sur l'aspect psychologique aussi, voilà, contre cet adversaire. Voilà, ça n'a pas voulu tourner pour nous. Il va falloir vite se remettre dans le bain. On a un déplacement compliqué à Louvain la semaine prochaine. Mais bon, il va peut-être falloir revoir nos ambitions, parce que quand vous vous comportez de telle manière, et je pense qu'on aurait pu beaucoup mieux faire. Comme je leur ai dit à la mi-temps, on était à l'image du temps. On était dans le brouillard pendant 25 minutes, et puis après, quand ça s'est levé, on avait la sensation que ça pouvait aller mieux, mais on n'a eu que la sensation. Voilà, ça s'arrêtait là.